Bonjour. Lara. Enchantée, j'ai envie de dire, même si on ne se rencontrera jamais. Je ne sais pas trop quoi te dire en fait. Tout ce que je veux, c'est que t'aies quitté la maison. S'il te plaît, dis-moi que tu es partie. Il le faut, c'est tout simplement ça, il le faut. Tu les aimes, hein, tes parents, hein, vraiment. Hein. J'ai 19 ans, si jamais t'as oublié. J'ai 19 ans et je les aime. Mais il faut partir, si tu t'en souviens bien. J'espère que ta relation avec ton frère n'a pas changé, ou alors qu'elle a évolué en bien. Plus le temps passe et plus vous êtes proches. J'espère que c'est toujours le cas. C'est important. Il ne faut pas que tu l'oublies. Normalement, ça devrait pas être le cas, mais comme on sait jamais de quoi l'avenir est fait, donc je vais être sûre que tu ne l'oublies pas. Est-ce que tu te sens femme? Je ne crois pas que ce soit d'une importance capitale que tu te sentes femme, mais ce serait cool. Même genre, une minute, juste savoir ce que ça fait. Parce qu'en ce moment, tu ne te sens pas femme, non. Tu te sens fille, tu te sens... Entre l'adolescence et l'adulte, tu sais pas trop. Tu commences à avoir un peu le sens des responsabilités. Tu commences à en avoir vraiment marre de tes parents, même si tu les aimes, mais on va pas se mentir. Tu commences à comprendre certaines choses. Tu commences à vouloir faire les choses de toi-même et à les faire surtout, parce que vouloir les faire, ça date, mais réussir à en faire certaines, c'était pas gagné. Et c'est vrai que maintenant je me rends compte qu'il y a quand même du progrès. Ça fait plaisir en fait. Ouais, c'est plutôt cool. Bref. J'ai essayé de faire une petite liste des choses à te dire pour pas oublier. Question fondamentale. Lara, est-ce que tu continues d'écrire? Si tu te rappelles, j'écris depuis longtemps. CM2, donc longtemps. Et ça a toujours été un peu vital, un besoin. Mais il ne faut pas que tu oublies que ça t'a rendue heureuse. Vraiment. Que ça t'a permis de comprendre certaines choses sur toi-même et sur le monde. Et que ça t'a permis d'avoir l'impression de réussir quelque chose. Est-ce que tu es aussi sensible que je le suis? Est-ce que tu continues à pleurer devant certains films? Si tu te souviens, moi, c'est très facile de me faire tirer la larme. Je pleure facilement. Et pas que pour les films, d'ailleurs. Alors, je ne te demande pas d'être insensible. C'est pas ça. Pas du tout. Il faut que tu puisses continuer à ressentir les émotions. C'est ce que tu veux dans la vie. En tout cas, c'est ce que je veux en ce moment. Vivre des choses. Ressentir des émotions. Être capable de les regarder en face. J'espère que ça t'aura fait plaisir de me voir. Que tu ne seras à ton tour pas trop déçu. Moi, je vais bien. Je vais bien. Et quand ça va pas, je sais que une autre journée sera sans doute meilleure. Bon, allez, salut. Il est temps de partir. Je suis sûre que t'as plein de choses à faire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien... Trouve-en. J'agis, sans vraiment songer aux conséquences, puis... C'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais... J'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire, j'en ai des choses à faire. J'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue, parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur, moi, ah ah. Cher futur, moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah.